Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. Un gros merci à Maryse d'avoir fait la démonstration avec moi. On fait une danse qui s'appelle Third Man Team. Alors, c'est une chorégraphie de Ira Weisbird. C'est une danse qui a 32 temps qu'on fait sur quatre murs de niveau débutant. Il n'y a pas de tag, il n'y a pas de transition autrement dit, et il n'y a pas de restart. Alors, on commence avec le pied droit, on fait un chassé de côté. Un et deux, on croise en avant et on fait un surplace avec le pied droit, même chose. 5 et 6, croise en avant. 7, 8. Deuxième partie, chassé en arrière. 1 et 2, on balance en arrière. 3, 4, chassé avant. 5 et 6. Et on va en avant, on va pivoter un quart de tour à gauche. En avant, sur place. Alors, si on combine première et deuxième partie, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6. 7 en arrière. 1 et 2, 3, 4. 5 et 6, 7, 8. Troisième partie, on croise en avant. Elle ressemble un petit peu à la première partie. On croise en avant. 1, 2, chassé de côté. 3 et 4. On croise en avant. 5, 6, chassé de côté. 7 et 8. Et la dernière partie, on balance en avant, pied droit. Donc, on fait 1, 2, chassé demi-tour à droite. 3 et 4. On balance en avant. 5, sur place 6. Et on fait un coaster. 7 et 8, et on repart du début. Alors, si on la fait au complet, pied droit, okay? 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7 en arrière, 1 et 2, 3, 4, 5 quarts de tour, 7 croisés, 1, 2, 3 et 4 croisés, 6, 7, on balance en avant, 1, demi-tour, 3 et 4, on balance, 5, coaster, 7 et 8, et on reprend 1 et 2. Donc, les mêmes pas sur les autres murs. Okay? Alors, pour ce qui est de la finale, le dernier mur, c'est le mur, le dixième mur. On est à 3 heures sur le mur de droite. Alors, si je le fais avec vous, donc ça fait 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7 en arrière, 1 et 2,
3, 4, 5 quarts de tour. 7 croises en avant. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On balance. 1, 2, 3 et 4. Rendu ici, au lieu de balancer en avant et coaster, on va en avant, on pivote un demi-tour à droite. 5, 6 et on croise en avant légèrement. Donc, on va en avant de l'autre pied et on met les mains de chaque côté. Mais dans le fond, au niveau des mains, c'est une finale un petit peu personnelle. Donc, si je fais seulement la dernière partie, ça fait 1, 2, 3 et 4 demi-tours. 5, 6, 7. Alors, merci beaucoup et bonne danse. Hey guys, this dance is called Third Man Team. It's choreographed by Ira Weisberg. It's a 32 count, 4 wall, beginner level line dance. So there's no tags and no restarts in this dance. And I would just like to thank Maryse for doing the demo with me. So let's start with section one. We start with the right foot and we do a side shuffle. So one and two, then we cross rock. So cross, recover on the right, side shuffle to the left. 5 and 6, you cross rock. 7, 8, recover on the left. Section two, you do a back shuffle. So 1 and 2, you rock back and you recover on the right. Forward shuffle, 5 and 6. Then you go forward with the right and you will do a quarter left turn pivot. So you go forward, recover on the left. So let's do section one and section two with the cats. 7, 8, 1 and 2. 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8. Section three, you cross rock again. So you cross, recover on the right foot, a side shuffle, 3 and 4. You cross rock, so cross, recover on the right foot, and a side shuffle, 7 and 8. So let's do the first three sections with the cats. 7, 8, 1 and 2. 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. Section four, the last section, you rock forward, starting with the right. So forward, recover on the left, and you will do a half right turn shuffle. So you go side together forward. Then you rock forward with the left, so forward, recover on the right, and you do a coaster, so back together forward. So let's do section four with the cats. 7, 8, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, and then you're back to section one on wall two. Let's do the four sections just to be sure everything's all right. 7, 8, 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, 1, 2, 3 and 4, 5, coaster, 7 and 8, and then you're back to section one, okay? So there's no tags and no restarts in this dance, like I said before. And for the ending, you will do wall 10 facing 3 o'clock, and section four will be a little bit different, okay? So let's do wall 10 facing 3 o'clock. 7, 8, 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. Then section four is a little bit different. So you go forward, you rock, 1, 2, you do a half right turn shuffle, 3 and 4. And then you don't rock forward. You will do a half right turn pivot. So you go forward, recover on the right, and you do a step forward, and I put my arms each side. But that's a very personal way to end it with the arms. So if I do only section four for the ending, it's 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7. So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and stay safe.